Meghan Markle tenait un blog de style de vie avant son mariage avec le prince Harry. La duchesse de Sussex, révèle le Mirror le 21 août 2023, est sur le point de lancer un tout nouveau business. Meghan Markle travaillerait sur un nouveau business, selon le Mirror du 21 août. La duchesse de Sussex se préparerait à lancer un tout nouveau business. Le tout nouveau projet de Meghan Markle risque de faire de l'ombre à celle d'une célèbre actrice. Après 12 épisodes, le podcast Archetype de Meghan Markle a été annulé par Spotify. Bien qu'on n'ait pas beaucoup entendu parler de la duchesse de Sussex ces derniers temps, ce n'est pas comme si elle se tournait les pouces. Très récemment, les rumeurs ont couru sur le fait que l'ancienne actrice de Suits se préparait la relance de son compte Instagram. Le Mirror du 21 août 2023 vient ajouter que son compte Instagram n'est pas l'unique projet en cours de l'épouse du prince Harry. Rappelons que la duchesse de 42 ans, avant ses fiançailles avec le prince Harry en 2017, tenait un blog de style de vie baptisé The Tig. Pour entrer officiellement et définitivement dans la famille royale, Meghan Markle avait dû fermer son blog. Meghan Markle a expliqué dans son documentaire pour Netflix que son blog était plus qu'un simple passe-temps et que celui-ci était devenu une entreprise très prospère. Bientôt, la duchesse de Sussex pourrait relancer les activités de son blog The Tig où elle avait l'habitude de partager de la mode, des tonnes de nourriture et des voyages, toutes les choses que j'aimais. Selon les informations du Mirror, Meghan Markle a obtenu l'approbation préliminaire officielle pour relancer son blog. En décidant de relancer ses activités, la maman de Archie, 4 ans, et de Lily Bay, 1 an, risque de faire de l'ombre à une célèbre actrice hollywoodienne. Meghan Markle risque de rivaliser avec Gwyneth Paltrow citant l'experte royale Tessa Dunlope, le Mirror révèle que Meghan Markle est sur le point de créer sa propre marque de bien-être après s'être inspirée de Gwyneth Paltrow. La marque de Meghan rivaliserait ainsi avec le très célèbre groupe de Gwyneth Paltrow. Le nouveau blog de l'épouse du prince Harry, 38 ans, offrirait des conseils sur la nourriture, les voyages, la mode, les arts, le design, la vie consciente et le bien-être. Meghan a passé du temps avec Gwyneth Paltrow et elle a délaissé son rôle d'actrice pour s'intéresser à un domaine plus large, celui du bien-être, a déclaré Tessa Dunlope à OK Magazine. Il y a des spéculations sur une possible refonte d'Instagram, sur le fait que Meghan pourrait être un sponsor de marque pour des produits de bien-être, a-t-elle ajouté.